Le rebond initié à l'ouverture a tourné court. Le CAC 40 cède ce midi 0,2%, se dirigeant vers une sixième séance de repli d'affilée. Les valeurs cycliques pèsent sur la tendance ce midi et notamment Michelin. Les tendances mondiales communiquées par le groupe montrent que le ralentissement en Europe se poursuit pendant que les nouveaux marchés comme la Chine affichent une moindre croissance. À l'inverse, Areva progresse d'1,3%. Le groupe vient de remporter un contrat d'environ 190 millions d'euros pour fournir du combustible nucléaire à une centrale américaine. Bonne forme également pour Lagardère alors qu'HSBC vient de rehausser sa recommandation sur le titre à surpondérer. C'est officiel, Fosun, Ardian et de nouveaux partenaires proposent ce matin 22 euros par action pour racheter Club Med, surenchérissant ainsi sur le projet d'Andrea Bonomi à 21 euros. Cela représente une valorisation globale de 839 millions d'euros pour la totalité des titres. La nouvelle offre comprend 50 millions d'euros additionnels d'investissement dans des villages 4 tridents, parmi les plus performants sur la période 2015-2016. À noter enfin que l'offre, qui devrait démarrer mi-octobre, est soumise à l'obtention d'au moins 50% du capital. C'est la fin de ce flash, vous avez rendez-vous à 18h pour le point hebdomadaire.